Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre étude du mercredi 19 juin 2024 à la Rhapsodie Tivo, écrite par le pasteur Chris et la Philomé, dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce matin est intitulé « Dieu ressuscite les morts, porte la conscience de la résurrection ». Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 1, verset 19, verset 9. La version NIV. En effet, nous avons senti dans nos cœurs la condamnation à mort. Mais cela est arrivé afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. Le pasteur nous instruit ainsi. La Bible nous montre comment Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier Isaac, son fils unique, qu'il avait dans sa vieillesse. Abraham n'a pas hésité. Il ne s'est pas plaint. Mais alors qu'il s'apprêtait à offrir Isaac, Dieu est intervenu et l'a arrêté avant qu'il ne soit fait de mal. Comme le révèle le livre des Hébreux, Isaac fut ressuscité pour Abraham. Alléluia. Pour Dieu, il s'agissait d'une résurrection, car Abraham avait totalement abandonné Isaac. C'est Dieu qui a dit, « Abraham, arrête, ne fais pas de mal à l'enfant. » Abraham avait foi en la résurrection, selon Hébreux 11, verset 10. C'est la même chose dont Paul parlait dans l'Écriture de vertu, où il racontait comment lui et ses compagnons étaient tellement accablés qu'ils n'en pouvaient plus et que leur situation était si dévastatrice. Ils sentaient en eux la sentence même de la mort. Alors, au lieu de se fier à eux-mêmes et de dépendre d'eux, ils se sont appuyés sur Dieu qui ressuscite les morts. Quel état d'esprit. Ils avaient renoncé à la vie en ce qui les concernait. Ils avaient en eux la condamnation à mort, mais ils avaient une conscience de résurrection. C'est exactement comme Jésus, qui s'est livré lui-même, sachant que le Père le ressusciterait. Nous sommes les enfants de la foi, les enfants d'Abraham, et nous agissons comme Abraham. Nous portons la conscience de la résurrection dans notre esprit. Avec cet état d'esprit, nous comprenons que tout ce qu'il nous demande de donner est multiplié en retour, au centuple et en plus. Abraham a offert Isaac et il est devenu le père de nombreuses nations. Sa descendance est devenue aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. Alors, sers le Seigneur vraiment, joyeusement et pleinement. L'idée même de tout lui donner ne devrait pas te troubler, te déstabiliser ou te donner des nuits blanches lorsque tu as la conscience de la résurrection. Alléluia! Béni soit Dieu! Alors ce matin, nous sommes instruites sur un thème spécial appelé la conscience de la résurrection. Le pasteur nous demande d'avoir la conscience, de garder en nous, de porter en nous cette conscience-là de la résurrection. Alléluia! Et bien évidemment, l'histoire qui a commencé avec notre père Abraham, qui est le patriarche de la foi, qui nous a montré en fait c'est quoi avoir la foi, la pleine confiance, l'assurance totale au point de s'abandonner totalement au Seigneur. Faire en sorte que on ne peut pas s'inquiéter, on n'a pas peur, même lorsqu'il nous demande des choses. Waouh! Moi je vois ici, premièrement, la confiance vient avec le fait qu'on aime quelqu'un. Quand on se sent aussi aimé, quand on se sait aimé, on arrive à faire confiance à un bon ami en fait. On arrive à faire confiance aux personnes à qui. Moi, si Abraham est arrivé à faire confiance totalement à Dieu, c'est parce qu'il connaissait Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Donc, il a pris le temps de nourrir cette relation, de mûrir dedans et de commencer à vivre vraiment dépendant de lui, sachant que lui qui ressuscite les morts, même si le Seigneur lui demandait quoi que ce soit, il n'a pas hésité. Il n'hésiterait pas à donner ce qu'il a de plus cher. Et ça relève vraiment de cette relation que Abraham a eue avec le Père. On a vu combien de fois il a été éprouvé. Donc, pour qu'il arrive à cette assurance, à cette confiance-là, il a passé des étapes. Oui, Abraham aussi a eu des doutes.
Abraham aussi a eu des craintes, mais sa foi s'est effritée au fur et à mesure. Le Seigneur l'a étiré jusqu'à ce que sa foi se perfectionne. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, dans notre thème d'aujourd'hui, on nous dit combien Abraham eut tellement confiance au Seigneur. Il était conscient donc de la vie de résurrection, qu'il savait que lorsque le Seigneur lui demande son fils bien-aimé, imaginez-vous bien-aimé, ça fait mal, c'est dur, mais il n'a pas rejeté, il ne s'est pas plaint. Au contraire, il a agi sur la base de la foi, par obéissance, il a donné. L'explication nous fait comprendre qu'il a sacrifié son fils. Même si le couteau n'avait pas égorgé l'agneau, malheureusement, il l'avait déjà sacrifié parce que le Seigneur a vu déjà le sacrifice fait. Oui, parce qu'il a accepté, il a coopéré, il a agi dessus. Amen. Le pasteur nous fait donc comprendre qu'il s'agit ici de la conscience de la résurrection que Abraham avait. Il savait que lorsque le Seigneur lui demanderait ainsi, lorsqu'il le fera, le Seigneur a la capacité de faire revenir à la vie son enfant. Alléluia. Waouh, quelle assurance. Quelle assurance. Et bien aimé, nous voyons très bien aussi que Paul a raconté une histoire pareille. Et le pasteur nous fait comprendre que Paul et ses compagnons étaient dans une situation vraiment désastreuse, au point où ils étaient condamnés à mort. Aïe. Mais, ils sont restés confiants. Il dit, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. Ça aussi, ça nous fait voir que pour arriver à un tel niveau, ça vient avec la relation que nous avons avec le Seigneur. Lorsqu'on nourrit notre relation avec le Seigneur, on entre dans une amitié avec lui. Ce qui fait qu'on a confiance. On ne peut que faire confiance à son meilleur ami. On ne parle pas des amis dans le monde, des amis qui trahissent. C'est parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Ils sont arrivés à percer l'amitié de Dieu, à comprendre que Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est bon. Alléluia! Merveilleux est notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, il n'avait pas peur. Au contraire, pas des chants, pas des louanges. Il disait, non, nous comptons sur le Seigneur. Waouh! 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 Quel état d'esprit. Le pasteur ajoute aussi Jésus-Christ qui aussi est un exemple de ce genre de foi. C'est-à-dire, il avait totalement assurance et confiance en la résurrection au point où il a accepté de se donner, il a accepté d'aller en enfer, sachant que le Père le ressusciterait. Bien que quand on va en profondeur dans l'étude, on va se rendre compte que Jésus est allé en enfer, même sans le Saint-Esprit, et il est ressorti avec sa foi, il a utilisé sa foi et il est sorti victorieux. Quand il a challengé Satan, il est ressorti victorieux. On nous montre aussi ici là que l'amour est une assurance, l'amour est une force tellement capitale dans notre relation avec Dieu et même avec les autres. Parce que pour faire confiance en quelqu'un, il faut vivre avec amour. Et on nous fait comprendre aussi dans la suite que lorsque nous comprenons cette capacité de Dieu à être flexible, nous aussi, nous ne nous inquiétons pas, nous ne nous étonnons pas en fait lorsqu'il s'agit de le servir. Nous n'avons plus de contraintes. Pourquoi? Parce que ça nous éveille à vivre sous un style, sous un système d'approvisionnement infini, dans la conscience en fait du système d'approvisionnement infini. Sachant que lui qui donne la semence au semeur nous donnera la semence pour notre nourriture. Il nous ne laissera jamais en manque. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a pourvu généreusement à tous nos besoins selon sa grande richesse. Alors quoi qu'il puisse nous demander, nous avons confiance que cela n'est pas un test, mais c'est plutôt un moyen pour nous de nous multiplier, un moyen pour nous de voir la provision encore se démultiplier pour notre avantage. Donc c'est à notre avantage. Aïe, alléluia, waouh. Donc lorsque nous nourrissons dans le don, nous grandissons dans le don, c'est-à-dire que les semences que nous faisons, nous savons qu'elles portent du fruit. Alléluia. Oui, la conscience que Dieu qui donne, nous donne l'audace de s'aimer davantage. Nous donne l'audace de s'aimer dans sa maison, de s'aimer au-delà de sa maison, de s'aimer dans la vie des gens. Parce que cela, il a la capacité, la conscience de la résurrection
fais en sorte que rien de tout ce qui entre entre nos mains ne meure. Pourquoi? Parce que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes soumis à un nouveau type, un prototype de vie illimitée où la loi de l'esprit de vie est en vigueur pour nous. Donc, il n'y a plus la mort. Donc, ce qui rentre entre nos mains, que ce soit nos finances, que ce soit notre corps, quoi que ce soit qui nous appartient, rien entre nos mains ne meurt. Maintenant, c'est la conscience qui fera la différence. Vous voyez qu'on a parlé de la conscience de la résurrection. Cette conscience qu'il faut que nous développons. Comment donc développer cette conscience? C'est de méditer. C'est de demeurer dans la parole. C'est d'aimer et de nourrir sa relation avec le Seigneur. C'est d'apprendre à grandir dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole, c'est l'étudier tous les jours, constamment, continuellement. Méditer sur sa parole, méditer sur les versets qui nous parlent de cette résurrection-là, qui nous parlent de la vie éternelle. Alléluia. Cela va donc renchérir notre foi et nous fortifier dans la foi, de telle sorte que nous arrivons au degré comme Abraham, où on n'a plus de doute, où lorsqu'il s'agit de donner, d'offrir, on n'a pas de concrète, on n'a pas de crainte, parce qu'on sait en qui on a cru. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Lui qui a la capacité de faire fleurir ce dépôt qu'il a mis en moi. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé. Il faut que nous puissions arriver à ce stade-là, ce stade d'intimité avec Dieu, tellement où on est devenu totalement confiant en notre Seigneur, qu'on a confiance à l'extrême, qu'il n'y a pas de limite. Cela va nous aider à vivre notre vie chrétienne épanouie, sans entrave, sans embauche. Alléluia. Conscient de la résurrection, conscient que tout ce qui rentre entre nos mains, nous parlons la vie, nous déclarons la vie, nous décrétons la vie, et cela se multiplie. Alléluia! C'est puissant, c'est puissant. Amen, amen. Alors donc, chers amis, nous avons invité donc à aller en profondeur, à méditer sur ces versets-là, pour avoir la conscience. Il dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Donc, il faut que nous puissions s'aimer les graines, s'aimer nos graines et permettre à la graine de fleurir. Alléluia. Parce que lorsque la graine meurt, elle fleurit, elle régénère. Parce que Dieu donne la régénérescence à la fleur, à cette graine que nous avons semée. Donc, c'est la confiance absolue en Dieu qui ressuscite les morts. Glorie, glorie, glorie. Nous allons faire la prière. Cher Père, j'ai la conscience de la résurrection, étant convaincu que tu es capable de ressusciter les morts. C'est pourquoi je suis toujours actif dans mon service pour toi. En vérité, de tout mon cœur, me réjouissant dans l'espérance et patient dans les temps de détresse, je reste ferme et inébranlable au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Cher ami, le pasteur nous encourage à méditer sur Jean 12, verset 24 avec la conscience de la résurrection au premier plan, de garder cela dans notre pensée, de préparer notre meilleure offrande pour notre prochain culte du dimanche et de regarder la multiplication. Alléluia, gloire à Dieu. Ah oui, bien aimé. Parfois, semer, il y a un verset que j'aime très bien qui dit que celui qui sème avec les larmes moissonne avec chant d'allégresse. Alléluia. Parfois, c'est difficile. Mais lorsqu'on est rattaché, qu'on a compris l'amour de Dieu, lorsqu'on a compris qui est Dieu, on n'a plus peur, en fait. Vous voyez, ça ne nous ébranle plus, ça ne nous inquiète plus, parce qu'on sait qu'il a la capacité de faire revenir cela à la vie, de multiplier cela entre nos mains. Et nous sommes donc rassurés que lorsque nous porterons le fruit lors de la moisson, la joie qui déborde dans notre cœur. Et c'est ça, pour ce qui fait en sorte que lorsque nous sémons dès maintenant, nous sémons avec joie, nous sémons avec abondance. Béni soit Dieu. Nous nous retrouvons à une autre prochaine session. À bientôt.